Vacherin, c'est un fromage à pâte mi-dure, connu dans le canton de Fribourg depuis le 15e siècle. Donc un Vacherin qui fait partie de notre histoire et qui était apprécié soit en fondue, soit comme fromage de dessert ou cuisiné dans des plats. Voilà. Déjà du caractère. Hein. Un humour, hein. Bonne pâte aussi. Bonne pâte crémeuse. Oui. Ouais, ça, on a bien avancé. Sur un alpage, on peut faire tout l'été des Vacherins. Il y aura des Vacherins du printemps, ils n'auront pas le même goût que les Vacherins d'automne. Et aussi, si les vaches pâturent côté sud ou côté nord, il n'aura pas le même goût. L'origine, elle est plutôt une jolie histoire qu'on raconte, une histoire de Vacarinus, d'un petit vacher. Après, il y a plusieurs Vacherins et c'est pour ça que depuis la fin des années 80, on l'appelle Vacherin fribourgeois et puis de l'AOP, Vacherin fribourgeois AOP. Ah, le Vacherin fribourgeois, c'est une des belles spécialités du canton de Fribourg, puisque c'est un des rares fromages qui a la particularité de couvrir, son aire de production couvre le canton. L'histoire que nous allons vous conter est bien plus qu'une simple histoire de fromage. À travers les âges, à travers les saisons, à travers les hommes, c'est l'histoire d'un canton et de ses artisans. Les différents acteurs ayant écrit l'histoire du Vacherin ont toujours œuvré dans le but d'offrir un produit de qualité. Une recherche qui s'est poursuivie au fil des siècles pour nous offrir aujourd'hui un pur produit de plaisir, le Vacherin. Le mot Vacherin, vraisemblablement, vient des vaches, et parfois plus précisément du vacher ou du petit vacher, dont on pense qu'il était celui qui fabriquait le Vacherin. Le Vacherin a longtemps été un fromage saisonnier. C'est un fromage plus petit que le gruyère. Et alors, c'est un fromage que traditionnellement on fabriquait à l'alpage quand on n'avait pas assez de lait pour faire du gruyère. L'histoire du Vacherin remonte au XVe siècle, une période durant laquelle une autre pratique artisanale tenait une place prépondérante dans le développement économique de la région. Pendant tout le Moyen-Âge, Fribourg était réputé pour sa laine, son industrie drapière en ville de Fribourg. Et donc c'était essentiellement des moutons qui étaient alpés ici dans la région de la Gruyère. Ça va changer à la fin du Moyen-Âge, aussi à la fin du comté de Gruyère. On va défricher des alpages, commencer à y faire venir des bovins, des troupeaux plus grands, plus productifs, et de ce fait améliorer la production qui va devenir absolument florissante au XVIIIe siècle. Donc on va défricher ces grands alpages, ces forêts vont être exploitées, ce qui fait que ça va dessiner un paysage qui est une mosaïque en fait de taches vert clair qui sont les pâturages et de zones vert foncé qui sont les forêts. Ces grands alpages vont aussi contribuer au défrichement parce qu'il faut passablement de bois pour produire le fromage vu qu'il faut réchauffer des centaines de litres de lait et ça implique d'avoir une grosse meule de bois devant le chalet au début de la saison. Vers la fin du Moyen-Âge, un autre changement va favoriser la fabrication du Vacherin. Il s'agit de la découverte de la caillette. Cette partie de l'estomac du veau va permettre la fabrication de la présure, un coagulant nécessaire pour le caillage, à savoir le passage du lait de l'état liquide à l'état solide, un procédé encore utilisé aujourd'hui avec des présures standardisées. La présure est ajoutée au lait qui est chauffé à basse température. Le lait va ainsi cailler et cette masse, coupée pour obtenir des grains, va ensuite être chauffée une seconde fois. Et c'est en partie le chauffage à basse température qui va donner la typicité du Vacherin. Alors le temps de chauffage spécial, ça c'est chaque fromager un petit peu sa petite recette. Il y en a qui feront plus longtemps, il y en a qui feront plus court. Et puis c'est ça qui donne un petit peu vraiment le bon goût et le bon arôme de chaque Vacherin, de chaque alpage, de chaque fromager. Et demain,
Voilà. Vas-y. Continue à tourner. Continue. C'est difficile. Vas-y, très bien, Valentine. Le vacherin, on ne pourrait pas faire autre chose. On adore, c'est notre passion, c'est notre vie. Et puis on le fait vraiment avec amour. Ce savoir-faire résulte depuis toujours du travail de l'homme, ou plutôt du travail de l'armaillé. L'armaillé, il a une très grande responsabilité, à la fois celle de tout le troupeau et le maître armaillé, le fromager, de la fabrication de fromage durant toute la saison d'été, donc de la valorisation économique de tout ce processus. Ces armaillis, ils portent ce nom parce que c'est armaille, c'est le troupeau. Et ce sont vraiment les personnages clés, même si en fait ils sont des employés et ils ont une vie très dure et ils ne sont pas forcément très bien rétribués, contrairement à ce que le folklore pourrait laisser croire. C'était une vie qui était très très rude. Tout se faisait à la main. À manger, c'était très minime. C'était autre. Autre chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de commodités. Puis on a quand même la famille qui est en haut là tout l'été avec nous, puis qui nous donne vraiment le bonheur. Exactement, Martin. Alors les plus anciennes mentions du vacherin sont dans des documents du 15e siècle et ces documents ont deux particularités. Soit ce sont des documents de contes, donc des livres de contes et on apprend qu'on a utilisé du vacherin, ou bien alors des documents issus d'un procès parce qu'il y a eu un problème entre deux parties et l'on va imposer un paiement en vacherin. Ici, on a par exemple ce livre des contes datant de 1455 et on apprend que lors d'une visite des Combourgeois de Berne qui viennent à Fribourg, eh bien, on organise un grand repas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a en quelque sorte ici la plus ancienne recette utilisant du vacherin, puisqu'on apprend que Maître Denis, pâtissier de son état, a préparé des tartes à l'aide de vacherin, de beurre, d'œufs et de lait et qu'il en a fait un certain nombre pour cette fête. Et ce document magnifique aussi relate la sentence arbitrale entre le seigneur de Menton et ses ressortissants de Châtel-Saint-Denis. Et le seigneur de Menton devra aux ressortissants de Châtel-Saint-Denis 21 vacherins en guise de paiement. Ces mentions historiques attestent de la valeur marchande du vacherin, considéré comme un produit de luxe dans l'alimentation de l'époque. C'était une valeur marchande parce que c'était un fromage qui avait, en tout cas dans l'ampleur régionale, une réputation. Donc on ne le donnait pas pour rien. Donc c'est celui qu'on va offrir au curé du village, au propriétaire, qui va aller jusque dans les villes, ça on le sait, c'est-à-dire à Fribourg, à Berne, où on va l'amener aux personnes qui sont les propriétaires fonciers, ceux à qui on veut donner quelque chose, à qui on est redevable de quelque chose, comme un cadeau. Et c'est un fromage très sélect déjà à cette époque. Je pense qu'il était rare à l'époque d'avoir du crémeux quand on n'avait pas la crème pasteurisée que l'on peut garder au frigo. C'était quelque chose d'extrêmement rare dans l'alimentation et le vacherin amenait cette dimension-là. Grâce à sa valeur marchande, le vacherin va ainsi connaître une phase de développement, si bien qu'au XIXe siècle, sa production va commencer à se démocratiser en pleine dans des fruiteries de village. On a eu une évolution qui est assez marquée au début du 19e siècle, lorsque on commence à ouvrir en plaine des fruiteries, c'est-à-dire des fromageries de plaine, parce que jusqu'alors, la fabrication se faisait uniquement à l'alpage.
Et en même temps, en Suisse arrive le chemin de fer, arrive l'importation de céréales et le début de l'industrialisation, mais aussi le début de modifications profondes dans l'agriculture. La Suisse va commencer à importer une partie de son alimentation et se concentrer plus sur la production laitière. En fait, les agriculteurs vont se mettre ensemble pour créer des sociétés de laiterie qui vont fleurir un peu dans chaque village ou dans chaque hameau même. Et puis, ils vont construire une laiterie, engager un laitier et on va fabriquer en plaine. Avec l'arrivée des laiteries de village, la production de fromage va connaître une évolution constante. Aujourd'hui encore, elles tiennent un rôle essentiel pour bon nombre de producteurs de lait de plaine, à l'image de cette exploitation située dans le village d'Arc-en-Ciel. Donc la laiterie de notre village a plus de 100 ans. Elle appartient à la société de laiterie, c'est-à-dire aux producteurs de lait. Nous avons un fromager qui est locataire du bâtiment et des installations, où il est fabriqué essentiellement du vacherin fribourgeois. Le vacherin fribourgeois qui est sur l'étalage de notre laiterie, c'est clair que c'est un produit qui est du village, qui a la garantie qu'il est fabriqué ici dans le village. Pour produire du lait, pour faire du vacherin fribourgeois, le principal fourrage, c'est de l'herbe, tout simplement de l'herbe, sur la période de végétation. Et ben, l'hiver, c'est du foin et du regain. Le lait, c'est la première chose dans la fabrication du fromage. On ne peut pas faire un bon fromage si on n'a pas un bon lait. Après, le fromage, il se fait dans la cuve. C'est le bon lait, c'est les cultures qu'on va y apporter, puis c'est la technique de fabrication. Située à Belfaux, la laiterie de Michel Egertzwiller représente un outil moderne en termes de production de vacherin. Mais derrière l'évolution technique se trouve non seulement un savoir-faire et une passion, mais également une histoire. Alors moi, c'est un peu toute mon enfance, c'est un peu toute ma vie, parce que quand j'étais gamin, j'ai un oncle qui fabriquait à la ferme, à Saint-Sylvestre. Et puis, ils fabriquaient que du vacherin. Alors, le vacherin, on en entend parler depuis qu'on est gamin. On a vécu là-dedans. Et puis, de pouvoir en faire aussi actuellement, c'est super, quoi. Moi, je suis déjà la 4e génération de fromager, mon fils la 5e. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que ça continue. C'est quand même une production d'un produit ancestral. Et puis la main du fromager est très importante. On le voit dans la fabrication, déjà en chaudière, quand on contrôle la dureté du grain. Ça veut dire qu'il faut un moment jusqu'à ce que l'eau soit sortie, et puis à un moment donné, le grain est à la bonne consistance, et puis c'est là qu'on va pouvoir dire maintenant on peut sortir le fromage, ou alors il est encore trop tendre, il faut continuer un petit peu la maturation dans la chaudière. C'est un geste qui date depuis le début. On a repris ça de nos patrons, de nos ancêtres. Et puis, le procédé est toujours le même. En effet, une fois le lait chauffé, caillé, séparé et disposé dans des moules, le fromage est passé dans un bain de sel avant la dernière étape, l'affinage. On peut avoir différents types d'affinage. Donc, c'est principalement le temps d'affinage qui va faire une différence au niveau du fromage, autant au niveau gustatif qu'au niveau pâte, etc. Plus le fromage est âgé, plus le goût sera marqué et meilleur il sera. La température idéale pour ce type de fromage, c'est entre 12 et 13 degrés. Donc là, on assure une maturation qui est lente, sans favoriser des fermentations indésirables, etc. Puis autrement, une humidité. Donc l'humidité, elle doit se situer aux environs de 90% d'humidité relative. Et donc ça permet à ce que la morge, donc l'extérieur des fromages, la flore qui est autour, soit suffisamment humidifiée pour que les fromages vivent. Donc un fromage, en fait, c'est un écosystème hein, qui vit en permanence. Et c'est c'est cette flore qui est autour du fromage ce qu'elle va dégager comme produit, etc., qui va donner l'arôme du fromage et son goût spécifique. Nous sommes trois affineurs officiels qui vendent du vacherin fribourgeois.
avec Crémaux SA, Huguenin Fromage à Villeneuve et Vacherin Fribourgeois SA. Nous avons Vacherin Fribourgeois SA, en ce qui nous concerne, nous avons 43% des parts du marché. Donc on achète à peu près 1150 tonnes de Vacherin Fribourgeois AOP. Crémaux, mon collègue également, plus ou moins les mêmes quantités. Et après, il y a quelques petits indépendants qui vendent directement dans leur propre magasin. Nous avons 20 fromagers qui nous livrent les vacherins. Les vacherins arrivent chez nous à 28 jours. Ensuite, on affine les vacherins à partir de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si le vacherin est aujourd'hui un véritable produit de plaisir, le chemin parcouru n'a pas toujours été des plus paisibles. En raison d'une baisse de la qualité, le vacherin a même dû faire face à une période tourmentée. Dans les années 1888, l'expansion du fromage était importante en Suisse et il y a eu toujours plus de fromage fabriqué. Il y a eu, à un moment donné, un sérieux problème de qualité. À la fin du 19e siècle, il fallait trouver des solutions pour améliorer la qualité de production. Et c'est l'État qui va intervenir en créant l'école de laiterie de Pérol, située aujourd'hui à Grangeneuve. On n'a jamais arrêté le progrès au niveau de la formation. Au début, c'était quelques dizaines d'heures par année. Et puis maintenant, on est vraiment avec un niveau de formation, je dirais, qui est envié loin à la ronde. On est très demandé à l'étranger. Un jeune qui sort avec une formation en Suisse, il peut aller très loin. Durant le XXe siècle et en parallèle à son évolution qualitative, le vacherin va rencontrer des hauts et des bas dans sa production et sa commercialisation. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le vacherin fribourgeois a un petit peu perdu de sa réputation, n'est pas toujours un vacherin de très bonne qualité. Il va même être interdit de production pendant la Première Guerre mondiale pour éviter que les producteurs fassent du marché noir et détournent en fait le contingentement laitier qui devait permettre de nourrir toute la population de manière égalitaire. Donc là, le vacherin a eu de la peine parce qu'il a carrément disparu du marché. Et c'est dans l'entre-deux-guerres et surtout à partir des années 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, que le vacherin va être relancé, notamment dans le sillage d'une promotion très active pour la fondue. En 1959, il y a un événement qui va faire bouger un peu les choses puisque l'entreprise Crémaux SA décide de fabriquer du vacherin. Et ça va être quelque chose qui va faire évoluer un petit peu la situation. Il faut dire que Crémaux était une entreprise qui a été créée en 1917 comme centrale de beurre par la Confédération dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Ensuite, elle est devenue une SA en 1927, mais elle s'occupait toujours de beurre. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que nous avons commencé aussi à développer les produits frais dans le trend de la consommation laitière qui s'est manifestée à cette époque. Et puis là, petit à petit, ça s'est développé par la fabrication de fromage à raclette et de vacherin fribourgeois ici, sur le site de Moncor. Et cette décision-là va faire réagir les fabricants, les fromagers, qui alors y voient une concurrence directe et ont très peur de subir les conséquences de cette décision. Et alors ils vont s'unir en créant la Société des fabricants de vacherin fribourgeois, en s'associant et ainsi en mettant une base commune pour essayer de développer le commerce du vacherin, mais aussi la qualité du vacherin qui, dans ces années-là, avait un peu perdu de sa réputation. Mais en tout cas, tout le monde s'est associé plus ou moins dans le mouvement. Et puis je dirais que depuis cette époque, plutôt que d'émulsion, j'appellerais plutôt une saine émulation qui se manifeste encore aujourd'hui. Chacun essaye d'aller un pas plus loin que l'autre. Et c'est probablement aussi un des points qui a favorisé le succès et la qualité du vacherin fribourgeois aujourd'hui. Avec une volonté permanente de valoriser le vacherin, mais aussi pour faire face aux changements qui s'opèrent dans le monde agricole, les différents acteurs de la filière ont dû unir leurs forces en créant l'interprofession du vacherin fribourgeois.
Alors, l'interprofession a vu le jour il y a exactement 20 ans, c'est-à-dire que quand la Confédération changeait sa manière de soutenir l'agriculture, elle soutenait la production fromagère uniquement au travers de l'Union Suisse du Commerce Fromage, l'USF, et à ce moment-là, la Confédération a dit « on va soutenir par sorte ». Et là, il fallait que la sorte vacherin fribourgeois s'organise en elle-même. Et la solution, c'était l'interprofession qui réunit les producteurs de lait de vacherin fribourgeois, les fromagers qui fabriquent le vacherin fribourgeois et les affineurs qui affinent le vacherin fribourgeois. Trois groupes là qui étaient à la base. Et le premier acte de l'interprofession, ça a été la demande d'AOC. Il aura donc fallu 10 ans à l'interprofession pour obtenir l'appellation d'origine protégée, un parcours fastidieux, mais qui ouvre de nouvelles perspectives. Il fallait obtenir l'AOC et développer ce merveilleux produit. On a réussi à le développer. Pour le consommateur, le fait d'avoir un fromage qui est reconnu AOC, AOP, est quand même un gage de sécurité. La sécurité nécessite également un suivi régulier des productions du vacherin. Pour ce faire, l'interprofession effectue des contrôles de qualité, ou plus précisément, des taxations. En taxation, c'est le contrôle obligatoire de qualité des meules de vacherin fribourgeois qui se fait à la 8e semaine, ou dans les caves chez le marchand, ou chez les indépendants fromagers qui vendent la marchandise eux-mêmes. Et dans ce contrôle qualité, en cave, nous avons 4 critères de taxation, donc l'ouverture, la pâte, le goût, l'aspect extérieur. Et sur ces 4 critères, il y a 5 points, ce qui fait un total de 20 points pour un maximum. 18 années. 18. 18. 18. Pour cet ingrédient incontournable de la fondue, un critère supplémentaire sera également testé, l'aptitude à la fonte. Donc on n'a pas tout le temps un goût linéaire qui se ressemble. C'est très intéressant dans les taxés, on retrouve un produit lié à une fromagerie. Donc ça c'est aussi quelque chose à garder au niveau de la tradition et puis du terroir. Et on est obligé d'avoir un suivi sur ces meules, une traçabilité, qualité. C'est pour ça que l'interprofession a mis en place plusieurs commissions et plusieurs contrôles à ce sujet-là. Chaque vacherin possède ses marques de traçabilité. Avec la pose de bandes de gaz, la traçabilité du produit est assurée grâce à un système de numéros de fabrication. Cette opération est doublement importante, puisqu'elle permet également de tenir le fromage afin d'éviter qu'il ne se déforme. Ce que je vais vous faire faire maintenant, dans le cadre de cette première leçon par rapport au vacherin fribourgeois, c'est vous demander qu'est-ce que vous savez sur le vacherin fribourgeois AOP. Aujourd'hui, le respect de la tradition est entre les mains de ces étudiants de l'école de Grangeneuve. Une transmission de savoir qui laisse présager encore un bien bel avenir aux vacherins. L'importance aujourd'hui de former une nouvelle génération à la fabrication du fromage, c'est de leur apporter un savoir-faire moderne, mais également ancestral. C'est tout cet enseignement par compétence qui a été mis en place ici et qui est continuellement mis en place à ce niveau-là. Et ça va au-delà de simplement l'aspect technologique. Ça, c'est le cœur du métier, on est bien d'accord. Mais vous avez tous les aspects liés à l'environnement, liés à l'hygiène, liés évidemment aux aspects économiques. Ça veut dire que la qualité des produits que l'on fabrique doit être vraiment excellente. L'histoire du vacherin est donc loin d'être terminée. Après avoir traversé les siècles, elle s'étoffe au fil des rencontres, avec toujours le même objectif, faire découvrir un produit de partage à consommer sans aucune modération.
Le Vacherin a plus récemment, à la fin du XXe siècle, retrouvé avec l'appellation d'origine vraiment ses qualités, je dirais, de fromage de plaisir qui étaient déjà attestées au XVIIIe, au XIXe siècle, parce qu'il est fondant, parce qu'il est crémeux, parce qu'il offre une variété de sensations, parce qu'il peut surprendre, il peut être excellent, il peut être plus neutre, ce qui fait qu'il apporte vraiment une dimension autre et un petit peu plus intime que des fromages de grande notoriété comme le Gruyère. Par rapport au Gruyère, le Gruyère est un fromage aussi exceptionnel, mais le Vacherin, c'est quand même, c'est pour moi encore plus typé de la région que tous les autres fromages. C'est vraiment notre carte de visite à la Gruyère, au canton de Fribourg aussi. Je trouve important qu'on puisse continuer à faire vivre ce savoir, à travailler avec la matière première, un peu comme on le faisait autrefois, mais avec les techniques d'aujourd'hui. Et puis, c'est un produit qui est très typé, puis ça me plaît beaucoup, quoi. Moi, j'ai de la fierté à le faire, tout simplement aussi parce que les générations avant nous l'ont fait, mon papa le faisait à l'alpage, et puis oui, j'ai beaucoup de fierté et puis d'attachement à ce niveau-là. Thank you.